Ça fonctionne pour ça, ça devrait fonctionner pour ça aussi. On veut juste la bonne fenêtre, là. Vous êtes habitué d'être patient, faut que je peux abuser un peu de une minute. Attends, OK. Oui, OK, merci. Ah, ça commence par un titre, tout commence par un titre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, on va mieux voir comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Robert pour avoir remplacé sur le chant les chants habituels. Alléluia. Donc, Pierre Paradis est venu chez moi cette semaine et puis il me donnait un beau diplôme du cours Carios. Je suis content parce que c'était un cours vraiment intéressant, un cours sur la mission. Et puis, tout ça pour vous dire que ce cours-là, avec les événements qu'on vit ces temps-ci, les départs de mon père, les départs de la mère de Donald et toutes ces choses, bien, ça crée des situations dans l'Église. Est-ce que Janine, bougez pas, on va l'avoir. Hein? Non, c'est pas ça. Juste la bonne fenêtre, Janine. Ah, OK. Donc, le titre ce matin, c'est Quitter pour bénir. À quoi on pense quand on pense à ce verset-là, Quitter pour bénir? Il devrait y avoir un passage de la parole qui devrait nous popper dans notre tête. Je vous laisse réfléchir. Exactement, c'est Abraham, Pierre. Gloire à Jésus. Ben, on va le développer tantôt. On va le développer. Donc, je vous propose un plan ce matin. Les épreuves actuelles de l'Église, parce qu'il y en a, il ne faut pas passer à côté. Il faut les souligner parce que c'est des événements importants. Et puis, ils se passent dans le corps de Christ, donc ils sont dans le contexte de la volonté de Dieu. Alléluia. Parlons des départs. On va en parler des départs. On va explorer ce que ça veut dire pour nous un départ, ce que ça représente, ce que ça change dans nos vies, ce que ça modifie, ce que ça nous fait interpréter de nouveau. On va en parler de ça. On va parler d'un départ particulier d'une Ukrainienne. On va rentrer là-dedans. L'impact des départs, ce que ça produit, c'est à cause de Carios, tout ça. Alléluia. Et la conclusion. Donc, les épreuves actuelles de l'Église, j'ai fait un petit montage audiovisuel pour que vous compreniez un petit peu. Donc, c'est un cercle, l'Église, c'est un peu un cercle. Il y a un départ qui se fait, il y a un autre départ qui se fait, un autre, puis un autre. Donc, départ. On parle de Mado qui était malade. Je vous ai parlé tantôt, mais toutes ces choses-là nous ont affectés. Mais les départs dans la vie chrétienne, ils ont un petit trésor qui est caché là-dedans. On va l'explorer tantôt. Donc, le départ de mon papa. Moi, c'est sûr que ça m'a affecté. Il était âgé, tout ça, on pourrait dire que oui, c'est normal qu'il parte. Mais ce que ça fait chez moi, c'est que maintenant, je suis le suivant. Mon père est en avant de moi, mais il n'est plus là. Maintenant, moi, je suis le suivant. Donc, et je vais avoir bientôt 70 ans. Au mois de mai, j'en reviens pas. J'en reviens pas moi-même que j'ai cet âge-là. Donald, il est habitué, ça fait déjà un bout de temps qu'il l'a. Je vais le comprendre éventuellement. Je vais le comprendre éventuellement. Là. Je vais le comprendre le 3 mai. Là. Alléluia. Donc, je reste le grand frère pour mes deux sœurs. Hein? Je reste le grand frère pour mes deux sœurs. Le papa paternel est parti. Mais eux autres, ils ne savent pas que je peux leur communiquer le papa spirituel. Je peux invoquer sur eux le papa spirituel dans leur vie. Je connais un ami à moi qui, aussitôt que son père est décédé, il est comme senti libre de faire ce qu'il voulait. Mais je n'ai pas senti ça, moi. J'ai senti que, oups, maintenant que l'autorité paternelle n'est plus, il
de son physique, il reste l'autorité du Père éternel que je peux invoquer pour eux. Donc, je me suis senti avec cette responsabilité-là. Les priorités ont changé. Hein? Les priorités ont changé. Ce qui était, un pasteur m'a dit que ce qui était avant un devoir chrétien devient maintenant le but à atteindre et une raison de vivre. De plus en plus, en vieillissant, on dirait que la présence de Dieu dans notre vie devient de plus en plus notre raison de vivre. Souvent, dans les années, elle peut être distraite par plein de choses. Mais quand on vieillit, quand il y a la mort autour de nous, on dirait que, oups, là, présentement, là, c'est sérieux. Là, je dois tenir la manche à balai de la victoire en Christ. Alléluia. Alors, je me suis posé la question, avec le temps qui me reste, puis donnant, ça m'est posé la question aussi, on se comprend plus là, maintenant. Qu'est-ce qui me reste à faire pour bénir avec les ressources qui me restent? Donc, je me suis posé cette question-là, puis je pense qu'on se l'est tous posé quelque part. On a tous perdu des gens, puis ça change nos priorités dans nos vies. OK? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Bon. Bon, là, il faut que je pointe là. Donc, évidemment, le message de base ce matin, le cadre de ce message-là, c'est qu'on avait aussi avec Carios, c'est le Seigneur dit à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham, c'est le père de notre foi à nous. Puis, je pense qu'on est des sources de bénédiction. On va le développer. Qu'est-ce qui se passe? Pouillez-la à la main, hein? Ça ne marche pas? Non. Oh, OK. Voilà. Donc, bénédiction. Baraka. En hébreu. Ça veut dire bénir, faire un présent, souhaiter la paix. C'est beaucoup de choses. J'en parlais avec mon frère Robert tantôt. La bénédiction, c'est un sens large. Mais c'est toujours quelque chose qui va vers l'amour des gens, vers une bénédiction, faire le bien, souhaiter la paix. C'est une parole de bénédiction. On connaît la parole, hein, que toute parole soit assaisonnée de grâce pour encourager. C'est un bienfait qu'on donne à quelqu'un. C'est la faveur du ciel de Dieu sur quelqu'un. C'est une bénédiction sur sa vie. Objet de bénédiction. D'ailleurs, les Juifs, ils voulaient, et c'est ça qu'ils voulaient, eux autres, ils voulaient être le peuple béni. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient obéir au commandement et d'être le peuple béni. Donc, ça veut dire la prospérité. Dieu donne la prospérité à une personne, c'est la bénédiction sur lui. C'est une louange de Dieu. C'est un don présent, un traité de paix. Tout ça, c'est des bénédictions. Hein? Donc, la source des départs. Il y en a plein. Moi, j'y connais toutes. Les départs que je vais vous mentionner, vous les connaissez tous. Moi, j'en connais deux particulièrement. Qui prend mari, il prend pays. Ma fille qui est partie en Suisse, a pris son mari, puis elle est partie en Suisse. Elle a pris son pays. Elle a quitté sa culture ici. Courageusement, c'est vraiment la grâce de Dieu qui l'a déplacée. Je peux vous en témoigner, on en a pleuré des larmes ensemble, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La mutation dans un travail, changer de province. Robert, as-tu changé de province éventuellement? Quelques fois. Bon. Puis à chaque fois, Robert, ça a dû susciter des petits des chambardements. À moins que tu sois un gars tough. OK. Peu importe. Je ne devrais pas aller là, mais c'est sûr qu'un changement produit quelque chose. À moins qu'on soit des gars hyper aventureux, qu'on a se garocher dans toutes les jungles du monde, puis qu'on n'a pas peur de rien, je pense qu'il se passe toujours quelque chose. Une maladie qui demande des soins extérieurs, bien ça, on les connaît. Hein? Mon épouse a passé par là, Colette a passé par là, présentement, Mado vit ça. Donc, il y a eu un déplacement qui se fait, on sort de notre contexte, puis on s'en va dans les soins, on s'en va se donner aux soins des autres. Se sauver une conflit familial, j'en ai vu des gens, des femmes, moins des hommes par exemple, parce que les hommes sont souvent la source du conflit. C'est dommage, mais c'est souvent comme ça. Mais des femmes partir d'un milieu familial toxique, où ils ont dû fuir, et puis c'était pas vivable. Ils ont voulu quitter la malédiction
pour aller vers une bénédiction qu'il souhaitait. Puis souvent, ça s'est avéré le mieux à faire. Se sauver d'un pays en guerre. Hein? J'ai un beau petit témoignage ici que je vais vous lire à propos de ça. Il appelle pour la mission. On a des témoins en arrière de l'appel pour la mission. Alléluia. Donc, on a tous les échantillons ici dans l'Église, de tous les départs. Il y en a d'autres que vous pouvez arriver, mais je pense que c'est les grosses lignes là, qu'on voit ici. J'ai pris un extrait du Journal de Montréal de Yutina, l'Ukrainienne, qui est partie de son pays en Ukraine parce que c'est la guerre là-bas, c'est invivable. Elle a voulu quitter une malédiction, en fait, pour aller vers la bénédiction. Je vais vous le lire, hein, c'est un texte. Je ne peux pas vous l'interpréter, c'est le journaliste qui l'écrit comme ça. OK? Donc, Yutina, quand la guerre a éclaté, c'est son mari qui l'a convaincu de quitter le pays avec leur fils de 12 ans, Maxime. Sachant que ce serait mieux pour les siens, il a accepté de les laisser partir, un geste de grand courage, dit la journaliste. J'aimerais qu'ils viennent nous rejoindre, mais pour l'instant, il ne veut pas nécessairement, même s'il le pouvait. Il ne voit pas comment il pourrait quitter. Il dit qu'il doit défendre son pays, notre pays. Pour lui, les maris de ces deux femmes-là, ils ont resté dans leur pays pour se battre. Quel courage! Mais pour en arriver là, Yutina et son mari Ola ont laissé beaucoup derrière eux. Les deux femmes peinent toujours à accepter ce qui se passe chez elles. Les horreurs de la guerre auront laissé des traces, même si Ternopil et Lviv, où ils habitent, ont été relativement épargnés. Comparativement à d'autres régions du pays, tous les jours, chaque matin, on voit les nouvelles et on est horrifié de ce qui se passe, soupire Olia. Difficile de nier que Sacha Pierre Tournier et Yutina, son frère et sœur. Parce que son frère, il avait déjà été parti d'Ukraine, puis il était déjà au Québec ici, il est venu leur rejoindre. Fait que les deux, quand ils sont revus ensemble, il y avait tous les deux à peu près la même physique. On ne pouvait pas distinguer qu'ils n'étaient pas frères et sœurs. Donc, les longues années qu'ils ont passées avant de se retrouver n'auront pas eu raison de leur trait commun. Ce qui les a frappés à leur première rencontre, les deux mères de famille sont maintenant en sécurité. Et elles en sont reconnaissantes, je comprends. Mais en même temps, elles acceptent difficilement d'avoir dû laisser le reste de leur famille derrière, à commencer par leur mari. C'est difficile de savoir que nous, on va être en sécurité alors qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve à notre famille. Espoir d'une vie meilleure, malgré cette peine qui les accompagnera probablement toujours, les deux courageuses femmes ont choisi de regarder vers leur avenir parsemé d'espoir. Imaginez-vous, quand les maris ont dit, ici, là, en Ukraine, ce n'est pas la bénédiction. On vous laisse partir. Sauvez-vous, allez. On pense à quelque chose. Il y a deux femmes dans la Bible aussi qui ont décidé ça. Ruth et Noémie. Hein? Alléluia. Ils ont décidé de... Ils avaient perdu leur mari. Hein? Puis ils se sont retrouvés tout seuls avec sa belle-fille. Fait qu'elle a dit, ben, je vais te suivre. Je vais quitter... Tout ce qui était à la guerre, tout ce qui était avant, ça ne tient plus. Je te suis maintenant, je vais être une bénédiction pour toi. Hein? Alors, on va parler de certains départs dans la Bible, parce que c'est un peu autour de ces départs-là bibliques qu'on va parler ce matin. La déportation des Juifs. Hein? Dans la Bible, il y a eu des gros départs, majeurs, que les Juifs ont été déportés, que Dieu avait dit. Que les prophètes avaient annoncé qu'ils étaient pour être déportés. Le fils prodigue qui est parti de la maison, il est sorti. C'est une parabole, mais ça tient aussi pour nous, pour des départs importants. Jonas qui est parti, hein, Dieu a dit, va dire à Ninive que s'il ne se repente pas, il va avoir le feu et le jugement qui va tomber sur vous. Jonas est parti. Jésus est parti aussi. Hein, Jésus est parti quand les disciples étaient avec lui, il a dit, il faut que je m'en aille. Donc, la déportation des Juifs, selon Jérémie 29:7, c'est un travail de recherche que j'ai fait. J'ai aimé travailler sur Jérémie, c'est incroyable.
Cet homme de Dieu-là n'a pas, pendant toute l'année de sa vie, n'a pas vu aucune conversion. Il n'a pas vu aucun changement. Tu lui as dit, tu seras tout le temps, tu seras un feu dévorant pour ce peuple. Tu annonceras ce qui s'en vient. Puis Jérémie leur annonce qu'ils vont être déportés. Jérémie, il leur dit aux Juifs qui vont être déportés, recherchez le bien de la ville et où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est insultant pour les Juifs de se retrouver dans une nouvelle culture, dépaysée complètement. Puis Dieu leur demande, bien, Jérémie, en entremise, vous allez devoir bénir ces gens-là que vous, qui ne pensent pas comme vous puis qui ne sont pas comme vous. Ça, c'est insultant. Mais l'ultimatum est là. Si votre bonheur dépend du sien, si vous ne faites pas ça, vous êtes malheureux. Alors, le but de ça, c'est sortir la bénédiction de la nation juive pour la partager aux autres nations. Dieu, il n'aimait pas juste les Juifs, il aimait tout le monde. On l'a vu tantôt par Abraham que Dieu était le père de toutes les nations, que par Abraham, Dieu voulait bénir toutes les nations. OK? Donc, le but, c'est ça. Le départ de Jonas, selon chapitre 1 et 2 et chapitre 4, verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi et va à Ninive, sors, quitte Ninive. La grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » C'est ce que je vous... plus tard, dans le chapitre 4, verset 2, Jonas, il dit, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui s'y repent du mal. » Jonas savait dans le fond de son cœur que le père de sa nation à lui aimait tout le monde. Il a réalisé, puis ça, c'était insultant pour lui. Lui, il voulait être ethnocentrique, il voulait centrer tout. Lui, pour lui, c'est un juif, c'est à lui qui mérite toute l'attention de Dieu, mais il ne comprenait pas que Dieu aimait tous les gens. Le but, sortir la bénédiction de la nation juive pour la partager autour. Encore une fois. Alléluia. Le fils prodigue, selon Luc 15, 11 à 32, c'est une parabole, mais ça me démontre aussi l'amour de Dieu pour tout le monde, pour tous les païens. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partagea alors ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il avait et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé quand une grande famille touche le pays et commence à se trouver dans le besoin. Alléluia. Il y a trois interprétations de cette parabole-là. La première interprétation pourrait dire, quelqu'un, mettons que ton fils rebelle part de la maison et revient chez toi. C'est une interprétation pratico-pratique de la vie de tous les jours. Mais il y a celle-là aussi qui veut dire aussi que Dieu aime. Alléluia. Ça veut dire, quand le fils qui restait à la maison, c'est le fils de la culture, le fils du rituel, le fils de la religion juive. Mais il y a l'autre fils, le plus jeune, qui part, qui s'en va au loin. C'est les païens, c'est nous, ça. C'est nous qui ne sommes pas de sa race à lui. On va le voir tantôt. Le but, un des trois sens de cette parabole est que les nations étrangères peuvent aussi être bénies par l'amour de Dieu. Alléluia. On voit très bien que, de par la réaction du fils qui était resté, il dit, pourtant, Seigneur, je te fais... Je suis toujours après toi, je te bénis, je suis ton fils, j'oublie tes commandements, je sais tout ce que tu fais. Puis comment ça se fait que tu donnes autant d'importance à celui qui est parti? C'est injuste. Alléluia. Parce que Dieu aime tout le monde. Alléluia. Puis on voit très bien qu'à partir du moment où il s'est senti mal à l'aise en train de manger de la viande, de la nourriture des porcs, et il s'est dit, waouh, il me semble que je suis ma destinée n'est pas là. Il a commencé à penser à son père qui était dans la maison. Il dit, mon père, c'est lui qui bénit. Même ses serviteurs, ils mangent bien. Ils ont tout ce qu'il faut.
Fait qu'il s'est, il a pensé à ça. Il dit peut-être que. Puis là, il avait toute une formule de repentance dans son cœur. Il dit je vais dire que je suis le moindre des serviteurs. Mais avant même qu'il dise ça, le père a couru vers lui et dit ah, je l'ai retrouvé. Là, il a donné l'anneau, il a fait une fête, il a fait un grand banquet. Puis l'autre qui était resté près du papa, qui n'est pas sorti, qui est resté en cabané dans la maison, bien pourtant, tu sais, j'ai tout fait ça, mais faut que, ce que cette parabole-là aussi nous dit, c'est que le fils le plus jeune était quand même été d'une façon rebelle. Hein? Il est parti de la maison. Mais souvent, ce que ça cache aussi des enfants un peu comme ça, c'est des gens qui en veulent plus. Ils veulent plus, ils veulent avoir la vie de Jésus, ils veulent avoir la vie de Christ. Souvent, les rebelles dans une église, ce n'est pas nécessairement dire qu'ils sont les plus tannants. Ça veut dire que c'est ceux qui veulent avoir ils veulent avoir de la viande, ils veulent avancer. Puis, des fois, ils quittent parce qu'ils ne sont pas bien. Mais le Seigneur vient les rejoindre. Il y a quelque chose de mieux à leur donner. C'est un peu cette parabole. Le départ de Jésus selon Jean, 16-7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Les disciples ont été reste avec nous, va-t'en pas. T'sais, ils ne savaient pas ce qui se passait. Jésus avait un plan eschatologique pour la vie des humains, mais eux ne le savaient pas. Mais il faut que je m'en aille. Pour que vous soyez bénis, il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille vers le ciel. Il faut que j'aille débloquer. Quelque chose qui est bloqué, là. Hein? Alléluia. Puis, grâce à Dieu, on est ici parce que Jésus est allé chercher la bénédiction par le Saint-Esprit, puis il nous l'a donné. Le but, en ressuscitant, il alla dégager la bénédiction du ciel, le Saint-Esprit, pour équiper les croyants. Je ne sais pas si vous voyez vers quoi je m'en vais, là, un petit peu. L'impact des départs. Bien, ceux qui ont parti, là, les missionnaires et tout ça, puis Louis Charbonneau va venir, elle va sûrement nous en parler d'une façon, mais je pense qu'elle va plus parler des fruits de la mission que la tristesse du début, mais je pense qu'on va bénéficier des fruits. Ils nous dépouillent de nos peurs et nous rendent courageux. Hein? Avant de partir, on dit comment est-ce qu'on va s'arranger? Là, on fait des plans, on calcule à la lettre près de tout ce qu'on va faire, ce qui va arriver. Mais en fait, toutes ces choses-là souvent tombent à l'eau. Ils ne sont pas tout à fait dans le cadre qu'on avait pensé. Mais on s'aperçoit miraculeusement que Dieu pourvoit en cours de route. Parce qu'on est parti. Alléluia. Ils nous apprennent à ne se fier qu'à la provision de Dieu. Il y a juste les missionnaires qui partent sous la volonté de Dieu, puis souvent c'est eux qui comprennent la bénédiction de Dieu sur eux. En tout cas, plus particulièrement, parce qu'ils partent sous l'appel de Dieu. Jésus-Christ apparaît comme le seul motif de transformation. Les départs, ça nous dépouille de tout ce qui est superficiel chez les chrétiens. Tout ce qui reste, c'est Christ. Ça devient de plus en plus. C'est pour ça que je disais tantôt quand je partageais qu'en vieillissant, il y a des futilités qui s'en vont, qui se brûlent. Le Seigneur les brûle, les sanctifie. Puis tout ce qui reste, un peu comme un chercheur d'or dans le Yukon, un moment donné, qui passe des semaines à vouloir chercher la fameuse garnette, la pépite d'or. Il met du sable là-dedans, il brasse ça, il fait ça. À un moment donné, whoops, ce qui ressort, c'est la pépite d'or. Mais il était là pendant des semaines parce qu'il a persévéré, il a continué jusqu'à temps qu'il trouve sa fameuse pépite d'or. Alléluia. Le trésor de la parole se libère. Quand on est confronté souvent à des situations difficiles, bien, on crie à Dieu. Mais on crie à Dieu, mais Dieu te dit, de ce qui est dans mon cas, quand mon père est parti, je me suis senti triste, mais j'ai vu que j'avais quelque chose, j'avais Jésus avec moi, que je pouvais encore bénir avec. Alléluia. La leçon générale des départs bibliques,
les Juifs devaient déverrouiller la vérité. Ils l'avaient gardée pour eux. Tu sais, les pharisiens avaient pris cette habitude-là aussi. Eux autres, ils prenaient la parole pour s'en faire une gloire, une prestance, puis ils bloquaient l'accès aux gens du peuple. Mais en fait, ils devaient se tasser puis laisser la gloire à Dieu pour que les gens faibles et pauvres puissent toucher la gloire de Dieu et goûter de la présence de Dieu. Donc, ils devaient sortir leur coffre de fort et ne pas la garder pour eux-mêmes. Ils devaient partager les bontés de Dieu aux autres nations. On a appris le terme ethnocentrie dans le cours Karyos. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Les Juifs avaient deux mandats. Il y avait le mandat du temple où les gens pouvaient visiter. Ils voyaient la gloire du temple, pouvaient prier. Il y avait aussi le mandat de sortir aussi. Donc, il y avait les deux mandats. La leçon pour l'Église, l'essentiel de notre mission selon Jean 17, tous ces départs-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous dépouillent. Ils nous dépouillent, puis on se retrouve avec l'essentiel. Hein? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est tout. Alléluia. À partir du moment, si tu connais Jésus, tu n'as besoin de rien. Hein? Vous connaissez le chant? Quand Jésus, tu n'as besoin de rien. Parce que Jésus est tout suffisant. Pourquoi? Parce qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Parce qu'il est la manne, il est la nourriture, il est tout. Même nous, dans nos vies, on ne réalise pas qu'il est tout pour nous. On a besoin des fois de vivre certaines crises, certains départs pour considérer qu'il est encore plus que ce qu'on pense. Être chrétien, c'est quitter ce monde. Hein, on est en marche. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, ben, tu es en marche. Quitter cette génération perverse et corrompue, hein, du dit de la parole, de marcher, ça dit de Jésus dit de considérer, vous avez tout ce que vous avez besoin, c'est le vêtement et le manger. Le Seigneur réduit nos besoins à lui. Il nous dépouille. Puis tous ces départs-là dans nos vies, ça fait qu'on est réduit à l'essentiel. C'est tant mieux. Tant mieux pour ça. Parce que ça simplifie notre vie. Hein? OK? Être chrétien, c'est quitter ce monde. En marchant par la foi, on apprend à servir, on exerce la compassion, on écoute, c'est le semer la parole de Dieu, et cela vient souvent avec des larmes. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à vivre comme Jésus le demande. Ces exigences, c'est des exigences d'amour. On n'a pas ça en nous, cet amour-là. Il faut qu'elle soit brisée, il faut que notre chair soit brisée pour que l'amour, les paroles de l'amour, les gestes de l'amour fassent partie de notre vie. OK? Psaume 126, 5, 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est un encouragement. Oui, ce matin, je vais laisser le Seigneur nous briser, nous casser, nous purifier pour qu'on ait juste une bénédiction à donner aux gens. Mais ça va venir avec des larmes, c'est sûr. On a tous pleuré. On a tous pleuré parce qu'il y avait des situations insoutenables qu'on a vécues. On revient à nos premiers départs du début. Là. On a tous pleuré quelque part là-dedans. Mais dans la volonté de Dieu, ça porte un fruit. Alléluia. Conclusion déjà. Wow! C'est un peu vite. Ça m'énerve. Anyway, mais la conclusion est assez longue. Donc, c'est à cause de Karyos tout ça. C'est à cause de Pierre. On marchait dans la rue cet hiver, puis il dit, tu devrais suivre le cours, blan, blan, blan. J'hésitais, puis là, ils ont dû prier, j'espère. En tout cas, ça a marché. Alléluia, mais c'était vraiment un bon cours. Je me suis ennuyé après de pute avec l'équipe, même si c'est en Zoom. Alléluia. Donc, le personnage, on a appris avec Karyos que le personnage clé de la mission, c'est le départ, c'est Abraham pour le départ, pour la bénédiction qu'on a donnée. Israël avait deux mandats, recevoir le peuple autour du temple et aller vers les peuples, mais ils étaient insensibles au deuxième mandat, aller vers les autres, comme Jonas l'incarne tellement bien, tellement clair.
La tendance se répète aussi avec l'Église, c'est souvent la persécution qui a fait sortir la semence du bocal. Ça a pris de la persécution pour sortir l'Église souvent, puis en ce sens ici, on passe des temps difficiles dans le sens qu'on est un peu stérilisé avec ce qu'on vit dans notre témoignage, puis on est un peu encabané, puis... Mais comme la prière de notre frère au comité, il disait, sa petite prière avec le passage, on soupire pour le témoignage personnel. Puis on était bénis, on a parlé entre nous, on était bénis que Robert le fasse, tu sais, que Robert ait ce mandat-là, puis il le fasse d'une façon at large, puis ça marche, parce qu'il y a des gens qui se convertissent. C'est pas juste. Oui, c'est juste, Robert, c'est sûr. Je vais mettre l'humour un peu, mais ça nous rend jaloux. Ça dit de s'exciter au bien. Hein? Dans, la parole nous dit de s'exciter au bien, mais Robert, tu nous excites au bien. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, l'Église a eu toujours la difficulté à concilier les deux raisons de son existence. Elle veut être bénie, mais doit être une bénédiction. La tâche est surhumaine. La tâche est surhumaine, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu, elle aussi, est surhumaine pour accomplir le mandat. Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes. Dieu est la grâce surhumaine. On a quelque chose, je pourrais dire, ce qu'on a à dire, là, nous, là, c'est supérieur à ce que personne ne peut, ça ne peut pas se comparer. Il n'y a pas un médicament qui a coûté ça, il n'y a rien, il n'y a pas un vaccin qui a coûté ça, mais il n'y a rien qui a coûté ça. C'est quand Dieu guérit, là, de fond en comble, et comme Donald le disait, il a retourné à l'envers pour faire de lui un homme nouveau. Il fait ça, mais en tournant à l'envers, il ramasse en même temps toutes les maladies, il ramasse tous nos rituels, notre religiosité, il nous fait à l'envers pour l'homme nouveau. J'aime l'image de l'homme nouveau qui à force de subir les épreuves, l'homme de chair, l'homme nouveau apparaît. Le nouveau en Christ apparaît. Voilà l'image de la bénédiction en nous, la prière de Saint François d'Assise. On ne la chantera pas, mais juste les paroles. Chacune des paroles de ce chant-là a une référence biblique. Chaque verset. Vous allez le voir. Okay? Donc, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Romains 10, 15. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour, 1 Corinthiens. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Vous pourriez presque avoir, j'aimerais vous en donner une copie si vous voulez, vous la distribuer, puis ce serait un bon moyen de prier. Hein? Parce qu'il y a des situations qu'on vit dans la vie qui se recoupent là-dedans, quelque part. Donc, là où s'attaque le doute, que nous apportions la foi, sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance, de nous de consoler plutôt que d'être consolés, et de nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Alléluia. Quand on chante ça, on pense à Saint François d'Assise, un religieux catholique, mais je pense que le cœur de ce chant-là, c'est une bénédiction carrée, entière et complète pour bénir les gens. Amen. Alors, Romains 10, 15, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous avez des très, très beaux pieds. Spirituels. Alléluia. Physiquement, la nature fait son travail, mais je veux dire, spirituellement, vous avez des très beaux pieds. Alléluia. Nous sommes la béraka de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je voulais vous préparer, chacun de vous qui était venu ici, une étiquette autocollant sur vos vêtements, dire « Je suis la béraka de Dieu », juste pour se rappeler qui on est exactement. Alléluia.
En tout cas, vous avez des beaux sourires. Quand, on dirait que quand j'ai dit Beraka, il y a eu des sourires. Vous avez comme réalisé cette réalité-là. Vous avez comme possédé que vous êtes une bénédiction. Mais il faut l'être vraiment. Alléluia. Alléluia, Jésus. Evinu Shalom Aleichem, un autre beau chant. Hein? Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons, nous allons vers vous pour vous annoncer la paix. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons, nous allons vers vous pour que notre bouche aille dans l'oreille de ceux qui nous entourent. On annonce la joie, la paix. Alléluia. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour. Le Seigneur dit, vous êtes appelés à bénir, pas à maudire, mais vous êtes appelés à bénir. Alléluia. Mais je réalise aussi quand Pierre, c'est Pierre et Jean qui voulaient commander le feu du ciel pour qu'il soit détruit. Il dit non, c'est pas l'esprit, c'est pas le bon esprit qui parle là. Vous êtes appelés à bénir plus qu'à maudire. T'sais. Alléluia. Puis ce qu'on fait ou ce qu'on réalise, c'est quand on crucifie notre chair, on suit Jésus, on crucifie notre chair, on crucifie la malédiction qui nous habite. C'est la bénédiction qui ressort. C'est un petit message court, mais on a une grosse journée aujourd'hui quand même. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie, hein? Est-ce que je peux prier? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu éternel. Ô Seigneur éternel, oui, Seigneur, tu es mort, crucifié sur la croix, Seigneur, afin de crucifier l'homme de chair, Seigneur Dieu, afin que l'homme nouveau puisse ressortir. Seigneur éternel, Jésus, on est la bénédiction, Seigneur. Cette Église est la bénédiction, Seigneur. Peu importe les âges que nous avons, les départs que nous allons vivre encore, Seigneur, nous sommes une bénédiction, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous pouvons, Seigneur éternel, avec l'expérience que nous a fait passer, les larmes qu'on a versées, Seigneur, ces souvenirs, Seigneur, de comment ta grâce a pourvu à tous nos besoins. On veut s'en souvenir afin de continuer à avancer, de bénir les gens. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, cette Église, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, notre mandat, c'est de réunir, Seigneur, les deux. Réunir le mandat d'une bénédiction personnelle de l'Église à une bénédiction extérieure de l'Église, Seigneur. Fais que le tissu, Seigneur, soit recousu ensemble, remis ensemble, Jésus. Alléluia. Je te prie aussi d'inspirer mes frères et sœurs dans les prochains jours, suite à ce message, Seigneur Jésus, qu'on se lève tous les matins, qu'on puisse réaliser qu'on est une bénédiction. Qui aujourd'hui ne pourra pas bénir, profiter de ce qu'on est? Alléluia.